Les autorités irakiennes ont affirmé qu'une douzaine de missiles balistiques tirés depuis l'extérieur de l'Irak avaient frappé la région kurde du nord. Les forces de sécurité kurdes ont précisé que des missiles avaient été tirés pour viser la capitale régionale du Kurdistan, Erbil, ainsi que le consulat américain. Un porte-parole du département d'État américain a qualifié cette attaque de scandaleuse et a déclaré qu'il n'y avait pas de victimes militaires américaines. Aucune responsabilité n'a été revendiquée dans l'immédiat.